Bonsoir. Le public arrive tranquillement sur cette peut-être dernière soirée d'été, on verra. Voilà, tout va bien, il fait beau, profitez, mangez, buvez, écoutez. Merci beaucoup. On a réservé déjà. C'est le concert qui suit. Ben bien sûr, puisque c'est sous chapiteau. Bienvenue là-haut. Les nuages s'arrêtent. Tous les bénévoles, depuis ce matin 10h, ont été plutôt des abeilles que des humains. On est dans un petit village à la campagne, sur un petit canton perdu nulle part, hein, isolé peut-être. Mais il y a des énergies sur notre territoire que je n'ai rarement vues avant. Donc, j'espère juste qu'il va pleuvoir cette nuit quand même. Et que demain, à midi, ça s'arrête. Tout ça pour dire que, à partir de ce soir, donc, tous les spectacles qui sont en programmation seront assurés. Les artistes sont avec nous, les bénévoles, les techniciens sont avec nous. Il ne manque plus que vous pour être avec nous. Bonne soirée, merci. Monsieur. Monsieur. La France vous a reconnu. C'est la règle. On est libérant. Bouffer 2-3 crêpes. Hein. Oui. Non, mais sinon, on est très contents. C'est ça, quoi. On est très heureux parce qu'on ne connaissait pas, si vous voulez, le lot. Et on se rend compte. La lotte. La poisson. Comme le poisson. Très vilain, d'ailleurs. Très vilain poisson. C'est vrai. Très vilain. C'est très bon, mais vilain. C'est bon. Mais oui, c'est un peu comme. Il y a beaucoup de choses qui sont vilaines, mais bonnes. Ah, oui. Oui, comme les andouillettes, par exemple. Hein. Oui, oui, si on y réfléchit. C'est presque fou. C'est ma collègue. Ils me racontent que les paysans s'en contentent de nous. Les niaques. Ils disent que l'on travaille très bien et que l'on est des gens sans histoire. C'est bien vrai alors que l'on n'a plus d'histoire. Ils disent tous pareil, même à l'administration. Pas d'histoire, hein, sinon vous devrez quitter le camp.
quartier marin. Nous gagnons une toile, de la nourriture. Nous partageons. L'ancien dit que c'est un communisme. Il dit que le bateau devenu nôtre est un territoire libre. Cette édition, cette équipe de bénévoles, de gens du Lot, de gens d'ailleurs, d'intermittents du spectacle, d'artistes, a fait comme ça. Et ce que j'ai compris, ce que je pense, mais ce que j'ai vraiment vécu là, c'est qu'ensemble on peut déplacer des montagnes et que je crois qu'il serait bien que sociétalement on commence vraiment à penser collectif parce que je crois que c'est la seule solution à tout. Ouais, moi je m'attendais pas à si chaud. Moi je m'attendais à un truc vraiment sympa, après pas aussi ouais pareil. Là c'est vraiment très très chaud, très très vite. On sera en plein été encore. Voilà, c'est ça. Alors qu'on a déjà les écharpes, les pulls, les machins, mais ouais, effectivement. Allez, petite introduction de Simon, la percussion, monsieur, c'est lui.